Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Binding of Isaac Afterbirth. Et on continue les challenges. Lequel on va faire? Comme je sais, Waka Waka, The Spirit, Speed of the Earth, Friday. The Guardian, je crois qu'il est rigolo. Il me semble qu'il est rigolo, mais vachement hard. Oui, c'est ça. Donc alors, je vous explique. Nous sommes un ange, j'ai envie de dire l'ange Gabriel, avec une épée et tout ça. Donc nous, on va tuer les mobs. Et je crois qu'on va pas prendre de dégâts. Et c'est lui, là, c'est ce petit bonhomme-là, qui va prendre les dégâts à notre place. Pardon. Donc les ennemis vont vouloir l'attaquer, nous on va devoir le protéger, c'est pour ça qu'il s'appelle le gardien. Hop, je vais juste faire un test, est-ce que moi je prends des dégâts? Bon, j'ai pas pu vérifier. Headshot! Ouh, pardon, c'était violent ce... Non, je prends pas de dégâts, donc c'est bien ça. Hop, ça meurt. On a plutôt des dégâts cheatés, donc faut également que j'évite, faut que je pousse les bombes. Et on a deux chocs, on n'a pas de clé, on continue. Du coup, hop, toi tu meurs. Mais là, tout de suite. Genre tout de suite, tout de suite. Et des fois, l'IA de notre famille est vraiment con. Et ne comprend pas qu'il faut fuir. Et c'est ça qui est vraiment la grosse difficulté de ce challenge. Ouais, c'est ça, rend plus gros. Je crois que ça n'a pas rendu mon copain plus gros. Du coup, bah, c'est bénéfique en fait. The High Process, Broken Emote. Wealth of Chaos, je préfère regarder ça. Du coup, c'est bénéfique que je sois plus gros. Il faudrait que. Je sais pas si y a un truc qui permet d'avoir mes copains plus petits. Ce serait plus rigolo. Hop, et plus pratique. Oh, puis si je suis Yuppie aussi, que je fasse plein de mouches à l'infini. Ce serait cool. Putain, c'était infâme par contre d'essayer de le protéger. C'est un gros pecno. Et on doit aller jusqu'à Mom Earth. Putain. On doit aller jusqu'à Eclive. Hop, tu dégages, tu meurs. Ah, du coup, c'est Mom Earth ou Eclive? Je sais pas. Et puis ce con aussi peut aller tout seul sur le feu. Et des fois, il peut décider d'aller se suicider. Et du coup, c'est genre là, le petit feu là, que les ennemis posent une fois qu'ils sont morts. Ben, d'un coup il peut décider d'aller dedans et perdre tous nos points de vie. Ça sert à rien que je prenne. Du coup on continue, en plus on a Curse of the Lost. Du coup je vois pas la map. C'est génial. Tac tac tac, là on a une salle. Hop, on clear. Quand on a une vitesse de clear, plutôt sympathique. Là, putain, il y avait un caillou avec une croix. Je l'ai vu juste en partant. Par contre, son vol, ça c'est génial. Ça c'est juste génial. Hop, on récupère. Rétrovision, donc c'est tout pixelisé. Ça pique les yeux. Tac. Par contre, il va falloir te pousser, Denis. Parce que sinon, tu vas te prendre des dégâts par ma propre bombe. Non, non, mais il va pas là. Crétin, allez. Voilà. On pourrait poser le plus loin possible. Parce qu'il se fouille, parce qu'il se prend également les dégâts de nos bonbons. Donc faut faire attention. Du coup. Hop. Tac. Attends, c'est encore flou. J'ai des clés mais j'ai pas assez d'argent donc du coup on s'en fout un peu. Le Joker qui nous permet d'aller directement dans un Devil Deal. Et on va prendre ça. D'habitude c'est un truc que je ne prends jamais. Mais comme là le but c'est juste de continuer en fait, de se barrer, bah c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire à chaque fois, dès qu'on pourra l'utiliser, on l'utilisera pour se barrer. Parce que là les items qu'on va avoir bah, ils vont pas être très utiles. À chaque fois, donc du coup, hop, je crois qu'on prend pas de dégâts du coup à cause de ça, avec ça. External life, éternel plutôt, pas du tout external. Non, vie éternelle, pas vie externe.
c'est débile. Ah là là. Un petit cœur bleu, c'est mignon. Hop. Tac. Hop, sur le feu, espèce de crétin. Hop. Tu meurs aussi, putain. Arrêtez de le taper. Il y a quoi là? Monde arcade, ok. Non. Putain. Hop, une clé. Et ici, on fait. Non, pas ça. Je voulais pas faire ça, du coup, on fait tac. On récupère la batterie, on fait tac. On s'enfuit. On va le réutiliser une autre fois pour passer encore un étage. Hop, voilà, on dégage. Si c'est pas magnifique tout ça. Non, j'avoue que j'ai eu un petit peu de chat de tomber sur cet item. Hop, ça meurt. C'est mort. Par contre ça explose. Oh. Lui qui s'en fout hein, des ennemis. Oh tiens, il y a des copains là-bas. Maintenant, c'est pas des copains. Putain, espèce de gros con. Mais fuis. Fuis, stupido bitch joufflu. Putain, il est infâme ce. Cette IA infâme. C'est ouf. Hop. Hop, voilà. Tac. Non. Et non, voilà. Non mais. Bon, ça c'est easy. Voilà. Faire péter les bombes. Tac. Enfin, les flammes. On n'a pas de cœur. On dégage d'ici. Ok. Du coup, il reste plus que deux étages. Faut pas que je swap l'étage de. D'Hitlive quand même, hein, parce que sinon ce sera un peu con. Que j'arrive au boss final qu'on est censé faire et puis terminer le challenge et que je le switch avec l'item. Hop, tu dégages. Voilà. Le Joker. Hop. Voilà. Et Dead Cat. Voilà. Ça va être rigolo tout ça. Oh non. On va jamais pouvoir faire ça. Putain, on va jamais faire cette salle. Que la bombe explose vite. Vite. Yes. Hop. Putain, j'avais pas vu qu'il était resté à la porte. Je crois qu'il était derrière moi, le con. On se retrouve à cette salle de merde. Vite, ermite. Ah là 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 là. Hop, tac. Une troll bombe. J'aurais préféré un cœur bleu hein, dans le coffre. Hop. On a juste le boss ici. Voilà. Mom. Hop. Bouge ton cul par contre. Mais non mais je vais jamais réussir. Il bouge pas son cul. Mais non mais c'est fini. J'ai ruiné le game. Du coup faut que je fasse les salles pour partir d'ici. C'est impossible sinon je vais jamais pouvoir faire ce boss. Je vais jamais pouvoir faire Mom. Quand j'y pense, je vais peut-être pas pouvoir faire l'autre tendouille non plus. De Mom Earth. Alors, je crois que j'ai ruiné le game avec ce. Avec cette histoire de Dead Cat. Je sautais dessus en mode ok, c'est bon, on a gagné, mais pas du tout. Non. Voilà. Là, on a The Hermit. Ok. Allez, dernière salle et on skip, bon c'est bon. Putain j'étais en mode waouh c'est trop bien on va pouvoir tout skipper mais non. Faut pas que je skip tout. Ah oui c'est bon je peux skipper.
Celui-là, je skip et on s'enfuit. On va même d'abord rentrer là-dedans. On va récupérer ça. Deux cœurs bleus, parfait. Et maintenant, on s'enfuit. On s'enfuit, c'est bien. Bon. The Hermit. D'accord, il n'y a pas de The Hermit. Du coup, toi, tu meurs. Vite. Toi, tu crèves. Putain. Ça va être impossible. Double clé, il y a quoi? Putain, il y a un putain de grid. Meurs, foiré. Meurs. Putain! Putain, mais avec un seul cœur, c'est impossible. C'est juste impossible. Il faut trop d'argent. C'est trop le bon mec. C'est pas femme. Non. I found pills. Je vais jamais pouvoir faire Eclive. Marche pas dans le sang, toi, hein. Mais il est con aussi, ce tir de merde, là. Non, je peux pas. Je peux pas. Il est trop con, ce personnage. Il y a des messieurs qui... J'étais bien parti, là. Hop, ça meurt, ça meurt. Ah, voilà, une échelle. Du coup, on va peut-être avoir un bon item. Ouais. Ça fait quoi, ça? Toast shot. C'est nul. Ils auraient pu me donner 6 up, hein, bien sûr, mais non. Non. Allez, on va essayer en bas. What? Apparemment de ce côté ça a l'air d'être plus facile. Qu'on vous le fait. Putain. Bon, on se retrouve jusqu'à le cœur du coup. Ouais. Quand même Earth. Bon bah, ça risque d'être compliqué. Je peux vous dire que j'ai quand même assez galéré pour arriver jusqu'ici.
Le fear shot a tellement été utile par contre. Allez, meurs. Il décède. Meurs. On l'a eu. Il y a quoi dans le Devil Deal? Oula, non, on va quand même pas crever à cause de ça. Voilà. Et on devient Guppy à la fin. Je suis Guppy. On prend notre dernier copain. Par contre, toi, tu meurs tout de suite. Conjoint, comme ça, conjoint. J'ai une transformation. Parce que j'ai 4 copains. Je sais pas. J'ai pas compris. Mais je suis Guppy à la fin. Et... Oh, tiens, il me donne un cœur. Oh là là là. Allez. On a fini ce challenge. Blancrune, Apparent Batman. Du coup, j'espère que ce putain d'épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour... Je sais pas, je pense qu'on va faire une run normale. Avec peut-être Isaac. Ouais, on va peut-être essayer de faire un Earth avec Isaac, je pense. Bref, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel run de The Binding of Isaac Afterbirth. Allez, bye bye tout le monde. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Being a pirate is always with me. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart within your back, lad. Wherever you go. Blue sky above the blue ocean below. You are a pirate. You are a pirate. You are a pirate. You gobshite.